La voix de la Corée. Résultat tangible. Les ouvriers des centrales hydroélectriques et thermoélectriques du pays se sont engagés dès le début de l'année à produire beaucoup d'électricité. Les cadres du ministère de l'Industrie électrique prennent des mesures propices sur place pour régler les problèmes en suspens et encourager l'ardeur des ouvriers et des techniciens. Par exemple, les ouvriers des centrales hydroélectriques de Hotsongang et de la jeunesse de Kangé garantissent à fond le haut niveau de l'eau et la haute efficacité d'entretien et distribuent rationnellement la charge. En outre, les centrales thermoélectriques comme le complexe thermoélectrique de Pukchang livrent avec responsabilité l'opération et la gestion conforme à leurs équipements et élèvent le nombre de jours de travail par chaudière pour produire tous les jours beaucoup d'électricité. Surtout, la centrale thermoélectrique de Pyongyang a rationalisé encore plus le réglage de l'alimentation des eaux et de l'air, assuré le maintien de la température et de la fermeture hermétique des chaudières et des turbogénérateurs pour réduire la perte de chaleur et élever le rendement de la puissance. Ainsi, les producteurs d'électricité du pays maintiennent comme maillon clé les sciences et techniques pour l'augmentation de la production et introduisent à temps les succès d'innovation technique pour obtenir des résultats tangibles.